Good evening, happy Valentine's Day, and welcome to the 18th Inter-University Charrette entitled this year, Transmutation. Bonsoir, et bienvenue à la 18e Charrette Interuniversitaire intitulée Transmutation. My name is Aaron Sprecher, I'm from McGill University School of Architecture, and I would like first to thank Madame Phyllis Lambert and Mirko Zardini for their continuous support of this yearly event. I would like to thank my colleagues and friends from the organizing committee, Fabrizio Galanti and Emily Retailleau from the CCA, as well as Patrick Evans from UCAM and Valerie Mao from UDM. I also would like to thank my assistant on this project, a student of mine, Nyusha Gaeli, as well as the fantastic graphic designer we have this year for the Charrette, Tamzin Berman from Pastirose. Je tiens à remercier Madame Phyllis Lambert et Mirko Zardini pour le soutien qu'ils apportent à la production de cet événement annuel. Je tiens également à remercier mes collègues et amis du comité organisateur, Fabrizio Galanti et Emilie Retailleau du CCA, ainsi que Patrick Evans de l'UCAM et Valérie Mao de l'UDM. Mon assistante sur ce projet, Nyusha Gaeli, et notre designer graphique cette année, Tamzin Berman de Pastirose. Okay, so I'm going to do that in two languages. The challenge, le défi. The 18th Inter-University Charrette Transmutation is inviting young designers to question and explore the future of Montreal in the age of information technologies. La 18e Charrette Interuniversitaire Transmutation invite les jeunes architectes et designers à questionner le futur de Montréal à l'ère des technologies de l'information. The goal of the project will be to imagine a city reflecting a saturation of technology, its augmented perceptions, and an ever-growing integration of information, from digital billboards, GPS tracking devices, smartphone applications, communication interfaces, to participatory networks, open source platforms, and responsive environments. Potential urban phenomena related to wireless technologies, numeric interfaces of all kinds, as well as the emergence of new lifestyles, reflect the necessity to develop a vision that is both speculative and critical of our urban future. Des panneaux publicitaires digitaux au système GPS, en passant par les applications pour téléphone intelligent, les réseaux sociaux, les plateformes en réseau ouvert ou encore les environnements interactifs, cette charrette invite les étudiants et jeunes diplômés à exprimer une vision prospective pour Montréal, prenant en compte l'intégration toujours plus importante et la saturation des nouvelles technologies dans la ville. Les phénomènes urbains liés aux technologies sans fil, aux interfaces numériques de toutes sortes, ainsi que l'émergence de nouveaux styles de vie, reflètent la nécessité de développer une vision à la fois spéculative et critique quant au futur de notre environnement urbain, et en particulier Montréal. Students and recent graduates are invited to express a scenario of an augmented reality of Montreal half a century from now, as saturated by information technology and showing a possible advancement and influence of those technologies on the social, cultural and physical evolution of the city. L'objectif de cette charrette vise à représenter la ville, et dans ce cas-ci la ville de Montréal, dans 50 ans, et à imaginer le scénario d'une réalité augmentée, montrant ainsi l'impact des technologies de l'information sur l'évolution des aspects culturels, sociaux, mais aussi physiques de la ville. Using visual techniques such as, but not limited to, diagramming, mapping, and multidimensional modeling, submissions can range in depth and breadth with proposals for digital applications to build urban systems. Utilisant les techniques visuelles telles que le diagramme, la carte, la modélisation multidimensionnelle, les projets que vous allez développer peuvent donc s'étendre de l'étude d'une application numérique particulière au développement d'un système urbain pour la ville de Montréal. Very important now. Let's be pragmatic. Groups of students, so these are the details of the submission, what we are expecting from you guys. Groups of students and researchers may explore issues at any scale on which they are to produce a diptych manifesto.
This document should be presented on a single PDF document containing two A2 panels, horizontal format, as well as a video. The video is not part of the PDF, plus a video, I mean. So, the first panel that you see there, panel number one, must address a scenario regarding the future of the city, describing existing or speculative technologies that would potentially transform our human environment. Groups are invited to use any form of visual and/or textual material. The panel must include a title and a 250-word summary of the manifesto. Panel number two must illustrate the way this scenario will transform Montreal as a test ground. And again, we are looking to Montreal 50 years from now. Here, the team is invited to express this transformation on the basis of a single image, and this image can be a collage, a photo montage, a diagram, a map, a perspective, or any other visual expression of the city. The image should cover the entire surface of the panel. Les équipes participantes sont invitées à explorer leur vision sur la ville de Montréal à l'échelle la plus adaptée dans le but de produire un diptyque manifeste sur le futur de la ville. Ce manifeste devra inclure deux panneaux horizontaux A2 contenus dans un fichier PDF ainsi qu'une vidéo. Le panneau numéro 1 doit adresser un scénario concernant le futur de la ville. Ce scénario devra décrire une technologie existante ou future qui pourrait potentiellement transformer notre environnement humain. Les équipes sont invitées à utiliser toute forme d'expression visuelle et ou textuelle. Le panneau doit inclure un titre et un manifeste de 250 mots maximum. Le panneau numéro 2 doit illustrer la façon dont ce scénario transforme Montréal comme terrain expérimental. Les équipes sont invitées à exprimer cette transformation en une représentation unique. Cette représentation peut être un collage, un photomontage, un diagramme, une carte, une perspective ou toute autre expression visuelle de la ville, et dans ce cas-ci de la ville de Montréal. Cette représentation doit couvrir l'entièreté de la surface du panneau. So now, why transmutation? Pourquoi ce titre transmutation? The city as a system, la ville comme système. The image of the city has long been a subject of investigation among architects who always interpreted, visualized, and simulated the complex behaviors governing its evolution. These explorations are always confronting, superimposing, and rendering the synergetic forces and evolutionary parameters that prevail in the city natural or artificial, physical or virtual. L'image de la ville, son comportement, son évolution, sont des sujets de recherche qui intéressent depuis longtemps les architectes par l'interprétation, la visualisation et la simulation de sa complexité. Ces recherches confrontent les forces d'évolution et de synergie qui prévalent dans la ville, qu'elles soient naturelles ou artificielles, physiques ou virtuelles. With ever-increasing developments in information technologies, our image of the city is shifting from physical representation and formal expression to one of systems capable of conditioning the emergence, sustainability, and growth of the city. Urban experiments produced over the past 50 years show a fascination by architects in defining and redefining the image of the city as an environment where information is considered as the common currency for the unfolding of urban phenomena. And this is evidenced by works such as Buckminster Fuller, the Maxon map that you've seen just now, or urban phenomena like the ones of flash mobs, or, and I'm so pleased to have him here with us tonight, François d'Allegret, environment bubble, or Yona Friedman, floating cities, and Paul Virilio, information bomb, to more recent projects propelled by research labs such as the MIT Sensible City Lab, Google Research, or IBM Smarter Cities. Avec le développement exponentiel des technologies de l'information, l'image de la ville passe d'une représentation purement physique et formelle à l'expression des systèmes qui conditionnent son émergence et son évolution.
Les expérimentations urbaines de ces 50 dernières années expriment la fascination des architectes pour définir et redéfinir l'image de la ville comme un environnement générant des phénomènes liés à l'information. Ce constat est particulièrement évident à travers les travaux de Buckminster Fuller et de sa carte d'Imaction, mais aussi l'environnement bulle de François d'Allégret, ainsi que les villes spatiales de Jonah Friedman et, sur un registre plus théorique, l'œuvre de Paul Virilio. Une expression contemporaine de cette pensée se trouve également aujourd'hui reconfigurée dans les sujets de recherche de laboratoires tels que le MIT Sensible City Lab, Google Research ou IBM Smarter Cities. The city as a system, as an evolutionary system, as a sort of organism in mutation, has always been an obsession among architects, artists, and scientists. From Giambattista Noli's plan of Rome to Guy Debord, yes? No? Oh, I didn't see that one. Great. So I would say from Giambattista Noli's plan of Rome to Guy Debord's psychogeographic map or guide of Paris to Archizum No Stop City and more recently Tom Mean's combinatory urbanism, architects gradually acquired the conviction that the city is foremost a complex system shaped by human activities that are now intensified under the influence of our technological knowledge. La ville, en tant que système en évolution ou organisme en mutation, est au centre des préoccupations des architectes, artistes et même scientifiques de tout temps. Depuis le plan de Rome de Giambattista Noli, et jusqu'au guide psychogéographique de Paris de Guy Debord, mais également la No-Stop City d'Archizum, et plus proche de nous, la notion d'urbanisme combinatoire de Tom Mean, les architectes ont graduellement acquis la conviction que la ville est avant tout un système complexe, rythmé par les activités humaines, qui sont maintenant exacerbées par le savoir technologique. And it was certainly so at the opening of the Montreal Expo in 1967. Presented on this occasion were two seminal projects that marked this critical position on the image of the city. Buckminster Fuller and Shoji Sadao's Geodesic Dome for the US Pavilion, and located on the other side of the fairground, the West German Pavilion by Frei Otto. Beyond their delicate forms and skillful constructions, these two projects announced the advent of information systems capable of reconfiguring our perception of the environment. Cette conviction a certainement été dans l'esprit des architectes d'Expo 67 et présenté à cette occasion, deux projets phares ont marqué une position critique par rapport à l'image de la ville. Le dôme géodésique du pavillon des États-Unis conçu par Buckminster Fuller et Shoji Sadao et de l'autre côté du site des expositions, le pavillon ouest-allemand par Frei Otto. Au-delà de leur forme et construction subtile, ces deux projets marquent une approche de l'environnement en fonction de systèmes d'information qui reconfigurent notre perception de la ville. The critical experiment, you see, François, it's all for you tonight. The critical experiments that took place in Montreal in the 1960s and 70s, and this is something we've seen in this wonderful exhibition called Total Environment that was organized by Alessandra Ponte and her students from UDM back a few years ago. Well, those critical experiments that took place in Montreal in 1967 and 70, in the 1960s and 70s, marked the emergence of new modes of representation surrounding the city and its ability to adapt, transform, and mutate according to economic transactions, social distributions, and political actions. Transmutation, the charrette, proposes to revisit this topic while projecting the future of Montreal 50 years from now. Whereas architects at the time of the Expo 67 observed the city from a human viewpoint, technology today propels an augmented reality of the city, relying on large statistical databases, such as the ones you can find on a website like StatCan, or satellite imagery, such as Google Earth, simulation engines like MapQuest, user recordings, Flickr, and participatory databases such as YouTube. The objective of the 2013 charrette is to exploit these great sources of information in considering the future of Montreal 50 years from now.
Ces expérimentations critiques, qui ont marqué la vie culturelle de Montréal dans les années 60 et 70, ont en fait engendré de nouveaux modes de représentation concernant la ville et sa capacité à s'adapter, se transformer et muter au rythme de transactions économiques, d'actions sociales et politiques. Transmutation propose de considérer ces conditions dans le but d'envisager le futur de Montréal dans 50 ans. Alors que les architectes d'Expo 67 ont observé la ville au niveau, je dirais, de l'œil humain, nos technologies actuelles ont transformé cette vision en une réalité augmentée qui dépend de bases de données considérables telles que StatCan, de l'imagerie satellitaire telle que Google Earth, de moteurs de simulation tels que MapQuest, d'interfaces d'enregistrement sonore et visuel telles que Flickr et de données en réseau telles que YouTube. L'objectif de la charrette 2013 encourage l'utilisation de ces sources d'informations au sein d'une vision sur le futur de Montréal d'ici 50 ans. Je vous remercie et je remercie tous les étudiants qui nous regardent actuellement, ainsi que Indebir et ses étudiants à Carleton. Merci. Aujourd'hui, très brièvement, puisque le temps est compté, je vais essayer d'apporter comme une note au bas de la page, a footnote, comme on dit en anglais, à ce travail qu'on avait fait en collaboration. Donc le projet entre diagramme et topologie, ça c'est pour ne pas perdre la notion du temps, ce qui est tout à fait possible. Et je commencerai avec mon premier point qui s'annoncerait s'annoncerait comme les trous dans l'espace-temps. Vous allez voir de qui vient cette expression. Les images que je montre très rapidement se réfèrent à ce qu'on appelle en général la mégastructure dans les années 60. Donc c'est un petit retour en arrière, un petit retour donc à l'époque de Expo Montréal 67, puisque ici on est entre 1959 et 1968. En général, vous connaissez les projets de mégastructure, donc je ne vais pas m'attarder sur leur forme, leur présentation, leur destin, les difficultés qu'elles présentaient. Je voudrais lire une phrase de Eckhard Schultz-Fielitz à propos de sa ville spatiale, la Raumstadt fameuse de cette époque. L'interchangeabilité des quanta coordonnées dans l'espace permet d'obtenir la flexibilité et l'adaptation dans les développements dynamiques. Géométrie, topologie, vous voyez, mon thème est introduit là, géométrie, topologie, théorie des groupes, analyse combinatoire influenceront la construction en série. La ville dans l'espace accompagne le profil du paysage comme une couche de cristal, elle est elle-même paysage. J'aime bien cette citation d'un architecte allemand très fameux, que j'apprécie beaucoup, et d'abord parce qu'elle introduit le thème de la topologie et de la théorie des groupes. La théorie des groupes, vous pouvez regarder ça sur Wikipédia, la théorie était inventée au début du XXe siècle pour décrire la structure des cristaux en général et des atomes, quoi, des cristaux en particulier et des atomes en général. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'architecte parle de couches de cristal. Couches de cristal qui forment un paysage. Donc en fait, on a une structure cristalline qui ressemble beaucoup à ce que les gens à l'époque, ou à partir du début du siècle jusqu'à cette époque, utilisaient pour décrire et définir la structure de la matière. Il y a deux versions de la structure de Schultz-Fielitz. Ici, on voit la deuxième, faite un an plus tard, qui est en bois avec des câbles et tout. Ça, c'est juste pour être précis. Sans s'attarder trop, la deuxième citation est de Nicolas Schoeffer, le créateur de la tour spatio-dynamique de Liège en 1961 et le concepteur de la ville cybernétique. Donc en fait, dans les années 50 et 60, on s'intéressait beaucoup de la ville du futur. Il y a
Il y a un rapport assez intéressant entre aujourd'hui penser au futur et les années 50 et 60 pensant au futur. Il y a un aller-retour, à mon avis, qui est intéressant et qui pourrait être développé dans votre charrette. Je lis très rapidement la situation. Premièrement, le temps, la topologie des rythmes en référence à la densité des éléments visuels. Deuxièmement, la lumière, la topologie de la lumière par rapport aux implantations diurnes et nocturnes. Troisièmement, le son, la topologie de l'audible avec son naturel et artificiel. Quatrièmement, climat, la topologie des courants climatiques artificiels et naturels en jouant sur la température, l'humidité et le vent. Cinquièmement, espace, la topologie de l'espace où la circulation s'organise à l'horizontale, à la verticale, mais aussi en oblique, en assurant une thérapeutique de l'espace par l'espace. Vous avez la citation dans Acheter aujourd'hui en 1964. En citant la topologie avancée par Schultz-Philitz dans sa Raumstadt, ainsi que les cinq topologies exposées par le cyberartiste Nicolas Schoeffer, il ne faudra pas omettre de citer les observations sur le labyrinthe par Abraham Moll, professeur à la Hochschule für Gestaltung, à la fameuse école d'Ulm, dans les années 50, puis ensuite professeur à l'Université de Strasbourg. Un ami, collègue de Max Bense, je devrais citer Max Bense, mais on ne peut pas citer tout le monde. Donc Abraham Moll, le créateur de l'esthétique informationnelle en France, qui développera une théorie psychosociologique de l'espace. Un labyrinthe, je cite, c'est avant tout une partition de l'espace selon des règles de connexion ou d'interdiction dont l'ensemble constitue ce que la mathématique appelle la topologie. Moll propose que la toposociologie soit un jeu dialectique permanent où concentration et dispersion dans l'espace comme dans le temps constituent une théorie des trous dans l'espace-temps, en l'adaptant en fonction des lois de perception propres aux coquilles de l'être. Donc c'est là que je prends mon titre, la théorie des trous dans l'espace-temps. Bien sûr, vous savez aujourd'hui que les architectes sont obsédés par l'utilisation de la topologie pour créer des rapports inédits et nouveaux entre, par exemple, l'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas, l'avant et l'arrière. Et on peut citer à ce propos la mégastructure, peut-être la plus belle d'ailleurs de cette époque, de Elfried Huth et de Günther Domenik. Le diagramme comme machine abstraite. Ce que Deleuze appelle un diagramme, donc c'est mon premier point, c'est topologie. Deuxième point, c'est diagramme. Et ensuite, on retournera à la topologie. Ce que Deleuze appelle un diagramme, en empruntant la notion à Michel Foucault, est une machine abstraite. Cette machine concerne la présentation des rapports de force propres à une strate, et on la voit ici dans ce schéma dessiné par Deleuze lui-même, propre à une strate, et double sur un mode intensif des formations stratifiées, celles de l'histoire et de la société. Un tel diagramme intensif ne doit pas être conçu comme une structure permanente, ni comme une forme préexistante, mais bien comme un problème virtuel, un complexe de force. Deleuze faisait cette analyse, bien sûr, dans les années 80, dans son fameux livre sur Michel Foucault. Le diagramme n'est pas historique, ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé, il est du devenir en acte. Indissociable de son actualisation, le diagramme sert à injecter du devenir en tous les points de la réalité stratifiée. Le concept de diagramme comme machine abstraite permet de comprendre la réalité à la fois machinique et biologique d'une institution, d'un dispositif ou même d'un logiciel. Dans ces schémas, nous avons la ligne du dehors, l'extérieur, avec les petits points représentés. Nous avons des lieux de combat stratégiques en deux. Nous avons les strates. Les strates, en fait, c'est l'accumulation, par exemple, des archives.
Ce sont les statistiques, par exemple. Ça pourrait être un concept intéressant à utiliser dans votre charrette. L'histoire à travers les archives, la statistique, le prix du blé au XIXe siècle, tout ça forme des strates. Et puis ensuite, bien sûr, il faut introduire le sujet là-dedans. Et c'est le sujet qui apparaît dans le point numéro 4. Il ressemble un peu à un animal. Donc c'est ce pli, ou cet être en train de se plier, représente l'instant de subjectivation, celui qui se crée donc qui crée par lui-même dans son devenir un rapport entre les strates, l'archive, les différentes stratégies appliquées et le dehors. En deux mots, c'est le fameux diagramme de Foucault analysé par Deleuze, qu'on pourrait appeler un diagramme de diagramme, un super diagramme en quelque sorte. Que peut-on faire de tout ça aujourd'hui? Bien sûr, ce sont des considérations théoriques, philosophiques, etc., que je trouve encore intéressantes, qu'il faut, à mon avis, revisiter. Ça vaut la peine. Le débat aujourd'hui, donc, pourrait porter et porte sur la notion de diagramme, non pas entendu comme quelque chose, comme une architecture abstraite, un peu comme certains architectes l'ont entendu dans les années 90, mais comme le fait qu'un diagramme, ça comporte des événements énergétiques, ça propose un système qui peut être ouvert ou clos, qui peut recevoir de l'information et qui peut se définir dans un rapport topologique avec la réalité. C'est pour ça que je mets le cadre croisé par un anneau de Möbius que Bernard Cash avait publié dans son livre The Earth Move, La Terre Meuble, publié donc en France en 1997. Aujourd'hui, que peut-on faire de ces concepts? Le concept de diagramme comme machine abstraite, tel qu'il est défini donc par Deleuze, permet de comprendre la réalité à la fois machinique et biologique d'un logiciel, son phylum, ses embranchements, tant sa phylogénèse que son hétérogénèse. D'aucuns ont proposé d'introduire trois niveaux théoriques de complexité inspirés de l'œuvre de Deleuze. Penser en termes de population et non d'individus, penser en termes de différence d'intensité thermodynamique et entropique, penser enfin en termes de topologie. Quelle en est la conséquence pour l'architecture? Deleuze et Guattari, d'ailleurs, vous le savez peut-être, ont parlé de ligne nomade. Ils sont très intéressés par le concept de ligne nomade. C'est peut-être ce concept qu'il faut récupérer aujourd'hui. D'ailleurs, la ligne nomade adopte comme modèle celui de la turbine et du fluide, prenant en compte une ligne cinétique. D'ailleurs, ce sont les mathématiques des années 80 qui ont permis de modéliser des événements qu'on ne pouvait pas modéliser précédemment, comme par exemple le frottement de l'air à la surface d'un avion ou le développement du temps qu'il fait avec les masses d'air en mouvement. Ce n'est qu'à partir des années 80 qu'on a pu modéliser de tels phénomènes. Donc, quand on parle de ligne nomade et de ligne cinétique, ce sont à ces références qu'on se rapporte. Désormais, l'exigence est celle d'introduire dans les... Attends, je vous change la diapositive parce que vous en avez vraiment marre. Désormais, l'exigence est celle d'introduire dans les logiciels de modélisation la présence d'éléments intensifs, tels qu'ils apparaissent en ingénierie de la construction, comme la distribution et la sollicitation des charges, par exemple. Ce que font très bien, depuis 10 ou 12 ans, les logiciels. Dans un tel processus, il faut que le programme génétique puisse simuler toutes les données d'ingénierie afin que les critères d'aptitude, les critères de fitness en anglais, soient pris en compte autant que les critères esthétiques. Donc c'est une nouvelle approche de l'architecture que, bien sûr, c'est
certains d'entre vous connaissent parfaitement, même mieux que moi, je le dis bien, je n'ai pas de problème à le noter, c'est une question de génération. Mais je trouve absolument fascinant ce nouveau mode de procédé, et à mon avis, il a un contenu. Comme j'essaierai de le dire ensuite, il est incontournable. Parfois, il y a des concepts très difficiles utilisés par exemple par Deleuze et Guattari, comme celui d'essayité. Mais essayité, ça veut dire tout simplement, ça vient de haec, ça veut dire, en anglais, on traduit par thisness. En français, on pourrait dire ce qui est devant vous. Ce qui est devant vous. Cette chose devant vous. Et cette chose devant vous, une essayité, n'a ni un début, ni une fin, ni une origine, ni une destination, elle est toujours au milieu. Donc c'est l'état d'être au milieu qui était intéressant. Elle n'est pas faite de points, mais simplement de lignes. Elle est rhizome. Citation donc de Capitalisme et schizophrénie de Deleuze et Guattari. À mon avis, intéressante. Et alors, pourquoi ces choses n'ont pas de milieu, ou ne sont qu'un, non, je veux dire, ne sont qu'un milieu, n'ont pas d'origine et de fin, mais juste un milieu, c'est parce que leur structure est pliée. Et la pliure devient donc un concept très important. Et la pliure, c'est quelque chose qui est capable de faire fondre dans le même objet des objets ou des choses ou des événements très différents, comme par exemple le temps qu'il fait. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans la nouvelle construction faite par Jürgen Mayer à Latsika, en Géorgie, c'est justement cette capacité de se faire fondre dans le même projet divers éléments, comme le temps qu'il fait, l'horizon, bien sûr, vous le voyez ici, et d'autres éléments atmosphériques. C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà commencé à faire, à mon avis, Jürgen Mayer avec Métropole Parasol, mais que je pense que vous connaissez trop bien, et sur lequel je ne veux pas insister. Je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, l'utilisation d'algorithmes stochastiques permet de concevoir une véritable coupole du type de celle de Buckminster Fuller, mais elle est numérisée. On engendre un dôme géodésique, régulier ou irrégulier, symétrique ou asymétrique, que l'on peut déformer. L'algorithme stochastique permet d'optimiser tant la topologie que la géométrie, en minimisant les composants du projet, réduisant au minimum les quantités de matériaux pour une résistance donnée. Désormais, le projet illustre une approche originale qui ne commence point par l'ébauche d'une forme géométrique connue, mais par la modélisation d'un processus intégrant des structures inédites. Si la conception de structure architecturale doit désormais pouvoir jouir du même degré de complexité trouvé en nature, celle-ci devront s'initialiser en pensant à des diagrammes machiniques adéquates, des constructions abstraites pourvues de toute la richesse et de l'intensité du vivant. C'est à ce point que le projet s'écarte des pratiques traditionnelles, s'éloigne même des réductions inhérentes aux algorithmes génétiques et s'engage dans un complexe de forces dont il faut tracer le diagramme topologique et systémique. Que cela plaise ou non, la condition du numérique est devenue universelle. La Sagrada Familia, un chantier interminable, n'a pu être achevé qu'avec l'utilisation de techniques raffinées et numériques. Les techniques numériques peuvent conduire au pire, bien sûr. Le projet de Métropole Parasol a été choisi par nous, dans divers écrits, comme le paradigme des années 2004-2011, afin d'élucider les questions qui se posaient lorsqu'on utilisait certains logiciels au moment de la conception. Au XIXe siècle, tandis qu'étaient introduits des matériaux inédits, comme les métaux, une nouvelle stéréotomie, différente de celle instaurée par la brique et la pierre, a été inaugurée, conduisant à une nouvelle tectonique et à un nouveau type d'espace.
Avec l'avènement du numérique, il s'agit de comprendre si une tectonique numérique a été implantée ou bien d'examiner si c'est la notion même de tectonique qui disparaît. Les deux positions ont été soutenues et le débat reste ouvert. Depuis plus de 10 ans, la recherche en CAD, la conception assistée en design numérique, a tenté par différents moyens de répondre à la question de savoir s'il était possible de programmer la matière de façon numérique, intégrant les forces, les matériaux et les formes dans les données, puis dans les composants. Certains critiques, aveuglés par leur mépris pour l'effet Bilbao, ne voient pas l'effet absolument positif induit par Métropole Parasol sur ce quartier de la ville de Séville, qui, après des années d'abandon, suite à la destruction du marché couvert, s'en trouva profondément revitalisé. Cette position critique rappelle celle des opposants à la Tour Eiffel et au centre Beaubourg. Dit entre parenthèses, le Métropole Parasol a fêté son millionième visiteur, je crois, en décembre. En termes généraux, derrière les critiques, soi-disant politiques, on aperçoit surtout des discours plutôt conservateurs sur le plan de l'esthétique. Par exemple, on découvre la version rebattue de la théorie opaque du senti et du toucher dans l'espace, dans le courant soi-disant phénoménologique, conduisant à l'expression vertigineuse d'une médiocrité architecturale. Mais cette remarque est peut-être déjà un compliment immérité, puisque ce discours cache une profonde méconnaissance de la théorie, sinon une absence totale de celle-ci. Ces critiques se drapent dans leur pose sérieuse, dans la dimension pesante de la fondation et de la trace, alors qu'il s'agit d'explorer des stratégies légères, ironiques, nomades, mues par la vitesse, le déplacement, et même le déplacement lent, comme dirait Deleuze. Ces critiques sont à la recherche du fondamental. Ce sont des êtres contre, car ils sont perpétuellement contre. Contre ce qui bouge, ce qui flotte, ce qui est vaporeux, contre le luxe, le goût, la mode, le jeu et le plaisir. Comme dirait Peter Sloterdijk, le grand philosophe allemand, la bête noire des néo-marxistes contemporains, il participe d'un dogmatisme de la pauvreté. N'en déplaise aux Cassandres, dans Sphère 3, Écume, à la suite de la géophilosophie de Gilles Deleuze, Sloterdijk appelle à une nouvelle définition des milieux, se nourrissant de la tendance à l'aérien, à la légèreté, au luxe, dans la grande serre climatisée. Aujourd'hui, grâce aux logiciels de modélisation 3D et d'animation, certaines réalisations architecturales portent à l'achèvement des concrétions se configurant comme une série de corps organiques évoquant des entités biologiques. Elles conduisent par exemple à la réalisation de formes hybrides et biomorphiques. Parmi celles-ci, œuvres exemplaires, on peut mentionner l'œuf des vents par Toyo Ito, un volume elliptique laissant apparente en version nocturne des images vidéo sur 5 écrans, LCD, à Tsukuba au Japon en 91. Le Blur Building, bien sûr, de Dilier Escofidio, flottant dans un brouillard artificiel au-dessus du lac de Neuchâtel. Les mésarchitectures prothétiques de Didier Faustino, depuis 10 ans. Ici, vous voyez le Stairway to Heaven, je crois que c'est le titre d'une chanson très fameuse, d'ailleurs. Et Didier Faustino, une œuvre à la Biennale de Venise en 2008. J'ai réussi à convaincre une étudiante japonaise de poser pour moi. Et c'est créé un rapport tout à fait curieux entre le photographe et tout à fait correct, mais curieux, entre le photographe et l'actrice. Ce qui fait penser à des définitions intéressantes comme « La machine des guerres » de Gilles Deleuze. Et je pense que s'il y a vraiment un architecte aujourd'hui qui crée des machines de guerre au sens deleuzien,
C'est bien Didier Faustino. Nous définissons la machine de guerre comme un agencement linéaire qui se construit sur des lignes de fuite. En ce sens, la machine de guerre n'a pas du tout pour objet la guerre, elle a pour objet un espace très spécial, un espace lisse, qu'elle compose, occupe et propage. Le nomadisme, c'est précisément cette combinaison machine de guerre, espace lisse. Et bien sûr aussi, on pourrait rappeler la définition de la machine dionysiaque dans d'autres textes. Dionysos, bien sûr, on le voit représenté ici par une ménade, je veux dire, chevauchant une bête sauvage et tenant dans sa main un thyrse. Symbole de puissance, de la puissance féminine. Quelle heure il est? Il reste combien de temps? Hein? 5 minutes. Alors, on ne va pas vous lire ça. Pour être sûr de finir à temps. Donc, les œuvres légères. Voilà. Ah bon, on a bien avancé. Conceptuellement, mur, fenêtre. Conceptuellement, mur, fenêtre et porte traversent une profonde altération, tandis que ces constituants standards sont remplacés par des surfaces transparentes, opaques et mobiles. La fondation de l'architecture abandonne le poids du mur solide et devient une enveloppe intelligente. La légèreté de la peau remplace la pesanteur ontologique du mur, de telle sorte que l'architecture devient fluide et éphémère, nomade et transportable. Une telle architecture de l'air est bien représentée par le Breathing Architecture de Kengo Kuma. Ce qui est inauguré ici, c'est une architecture atmosphérique créée par des membranes quasi invisibles, par de légers filets, des mèches en anglais, des treillis semi-transparents. Il s'agit d'expériences dans le champ atmosphérique et dans l'antigravitationnel conduisant à une architecture de l'écume. Prolongeant la théorie de l'espace nomade chez Deleuze et Félix Guattari, Sloterdijk montre que l'homme contemporain habite des lieux sans référence au sol. Ces îles sont des modèles de monde dans le monde. La fabrication d'îles modernes opère un renversement environnemental dans la mesure où l'île se veut le contraire de l'habitat traditionnel, isolé, entre guillemets, dans son environnement. Ces îles d'un nouveau type font entrer l'environnement dans un édifice. Cet appel à l'aérien devrait faire réfléchir tous ceux qui, comme les critiques d'aujourd'hui, investissent tous leurs efforts dans la pierre et dans la brique. Je vais conclure. Je conclue en vous montrant ces photos envoyées par Jürgen Mayer. Là, on voit le montage des éléments. En définitive, les sphères de Sloterdijk. Les trois volumes, vous rappelez, le volume sur les bulles, le volume sur les globes et ensuite le volume sur l'écume, le concept d'écume. Les trois volumes explorant comment habiter nos villes contemporaines représentent un tournant topologique dans la pensée contemporaine. La topologie enquête sur ce qui constitue les composants de l'espace en observant les points, les régions, les mitoyennetés, les limites intérieures et extérieures. Je pense, pour conclure, que la topologie aidera à développer les îles climatiques de Sloterdijk, protégées
par des enveloppes artificielles, intelligentes et réactives. Je vous remercie. Hi, my name is Neil Clavin, and I'm very honored to have the opportunity to speak here tonight at this event. I'm a design strategist and design researcher. I design interfaces for people, places, and things. Tonight I'm going to talk about how digital technology changes our social, cultural, and physical experience of the city. The talk is called Robots, Immaterials, and Control. This is one vision of how the early 20th century vision of how technology and new materials can change the city. This is another vision today. This is a project by Softkill Architects based in London, looking to fabricate a 3D house from materials with a large-scale 3D printer. This is an example of an architecture which would not be possible without the digital technology we have today. This is another vision of a possible future of the city through technology. This is a dystopian vision. This is a still from a British TV drama series called Black Mirror. And in this society, everyone is addicted to technology, and everyone basically lives in a kind of gymnasium, cycling to earn credits, which they'll spend on food and entertainment. This is another vision of how digital technology affects the city. This is Silicon Valley's vision. Aw, man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Today, new lifestyles are emerging from us living and working with machines and between digital and physical space. Today, and more so in the future, robots will be living with us. They're going to change the environment that we live in and how we live and how we work. Increasingly, we share our environment with robots. And robots are already starting to replace many human jobs. I don't know if anyone follows this particular sport. If you come from Qatar, you're probably quite into this. It's very popular there, camel racing. And this really represents an intersection between technological advancement and human rights. Until very recently, most camel jockeys were children, and some as young as 4 years old. Because to race faster on a camel, the lighter the jockey is, the better. And about 2 years ago, Qatar banned the use of children as camel jockeys. And fortunately, at about the same time, a Swiss company came up with a robot jockey costing around $50,000. So this is a victory for robotics and a victory for human rights. And it's one way that robots are replacing human jobs. And in this case, a good way. It's replacing jobs that humans shouldn't be doing. So, Kevin Kelly, who's a founding editor of Wired magazine, recently wrote an article about the robot takeover, of how robots will be taking over our jobs, and we should be glad about it. And he created this table showing
the different kinds of jobs that robots are going to take over. And one of the main takeaways of this is that in the future, you'll be paid based not just on your performance and how well you work with your human colleagues, but also how well you work with your robot and machine colleagues. And 90% of your work will be done by unseen machines. And increasingly, that work will not be possible without machines. And increasingly, there'll be a blurry line between what the human does and what the machine does. As we start to share our world more and more with machines, increasingly, our environments will need to be designed not just for humans, but also for the machines that we share the space with. This is a project called With Robots by Diego Triolo Pesanti, the Royal College of Art Design and Interactions Group. Diego envisions a near future where we're living with robots. In this picture, you can see a number of cups, and the cups have been designed both for humans and for robots. So on one side, we have a handle that one would normally expect, and on the other, there is a more robot hand-shaped handle, and it has a visual indicator so the robot can see it and identify it as a handle. There are also marks within the cupboard to identify where cups and plates should go. Another thing you may see is that the doors of the cupboard have been removed because this would be cumbersome and confusing to the artificial intelligence of the robot. So increasingly, as we share our environment with machines, that environment is being translated for so that it's easier for machines to understand, read, and navigate. This is a short excerpt from a film by Timo Arnold called Robot Readable World. Machines navigate and see things in different ways than humans do. This is a time-lapse photograph of a Roomba vacuum cleaner and how it moves around your living room when it's vacuuming it. So the movement is sort of alien and perhaps counterintuitive to the way that one might expect a machine would move around a room. It isn't a grid formation. It's a kind of alien intelligence, a kind of insect-like intelligence in the way the machine moves around space. So we are already starting to live in public space that's somewhere between the physical and the digital space. And often we're occupying two spaces simultaneously. This is a project by Lily Meyer, Penn State College of Art and Architecture. The project's called Text Walking Goggles. And the idea of this product is to make it easier for pedestrians to see their surroundings while maintaining their relationship with their cell phone. And by easing the circulation of texters, civility is restored to pedestrians in public space. And I understand this project was partly inspired by this surveillance video of a lady
texting in a public shopping mall. This is another project by Lily Meyer. This is looking at how we can demarcate public space, demarcate private space. This is a mobile phone booth. So while someone is engaged in an interaction with a smartphone or something, which is predominantly a kind of private experience in public space, one can create some kind of private space in public for that. There's a guy called Ray Kurzweil. Some of you may have heard of him. He's sort of like a modern day Tesla or Edison. He invented the flatbed scanner. He invented optical character recognition. Text-to-speech, print-to-speech, a lot of speech recognition technology. So he's a pretty smart guy. And and if somebody else said what he said, I'm not sure I would take it that seriously. But Ray Kurzweil believes that if he can live until 2045, he will live forever. And he believes that this is the year of something called the technological singularity, which will lead to something called transhumanism, where his mind can be preserved in a computer and his body in cryogenics until technology exists to reunite them both. So if people are going to live forever, or at least if Ray is going to live forever in machines, what architecture might people living inside machines require? The image of the city is changing both physically and immaterially via living with digital technology. Has anyone heard of a term called the new aesthetic? Okay. The new aesthetic is a term created by a British journalist and design researcher, James Bridle. And the new aesthetic is about a completely machine-driven aesthetic, like visual and physical aesthetic, which is driven not by the needs of humans, but by the functional needs of machines. And there is new aesthetic architecture, and architecture for machines is predominantly reinforced, windowless, and highly ventilated. This is Telly House West. It's a data center in the Docklands in East London. And this building is almost completely driven by function to cater for its machine occupants. There's hardly any humans work in this building. It's mainly just computers. And you can recognize these buildings because they have a lot of ventilation. There's a lot of technology in there that gets hot. So at the bottom, we have this very large ventilation block. There's also, I think, some ventilation at the top of the building. It doesn't have any windows, although it has a suggestion of windows. There's this disruptive pattern which suggests windowness, but the occupants don't need windows. And at the same time, this is a digital pattern, and this digital pattern is also signaling the digital nature of the industry that's happening within this building.
This building is 60 Hudson Street, Manhattan, New York. This used to be a hotel, and it's quite a nice building. Nice 1930s German Expressionism, I think. It's quite nice. But this has also now become one of the most, if not the most, expensive piece of real estate on the island of Manhattan. And the reason that it is the most expensive piece of real estate on the island of Manhattan is that this is the point in Manhattan where the transatlantic data cable intersects with the US. So this is the fastest point on the digital network in the entire United States. So lots of banks and lots of people who do trading have moved into this building. They've moved their machines and computers in here. Because they're at the fastest point of the network, this means that they can conduct trading algorithms microseconds faster than the machines 1 mile down the road in Wall Street. So that means they can make a lot more money. And this is no longer a hotel for humans. This is now a hotel for computers. And it's even called a carrier hotel. And the floors have been reinforced throughout this building to carry the computers that stay there. It's a project by Zaha Hadid, Civil Courts Madrid. It's an example of parametric architecture, where we're working with robots, where we're working with machines. Again, this is an example of an architecture that would not be possible without digital technology. And it's created by putting in a number of variables, which will help track and model the shape of the building as it follows the path of the sun and shade throughout inside. So the immaterial city is seen in ways previously invisible or non-existent. That was another film by Timo Arnold called Immaterials, light painting with Wi-Fi. And this is a way of showing the invisible landscape of networks that is interwoven with our daily city experience. People talk about the network city a lot, and this is a way of making the network city visible. This is a project by Colin Ellert. It's a 1.2 kilometer walk around Kagar Junction in Mumbai, which is a notoriously busy traffic junction. And during this walk, the person who was walking here was wearing a wrist sensor, which was measuring the amount of sweat coming from their wrists as they walk around this area. So this is a measure of physiological arousal, a measure of stress and excitement in different parts of the city. Mapping emotional cityness. This is a project I did in Copenhagen, which looked at having sensors attached to bicycles so that people would automatically map routes that they travel through the city, and each day they'd be asked a random question about part of their route and asked
what they remember about it and how they felt about it. And from this, one can start to make a map of the city, which is not the kind of information one would get on Google Maps. It's information about what is the emotional relationship of the citizen with the city. So where is a nice place to ride your bike? Where is there a nice view? Where are there nice houses? Where do the hipsters and fashionistas hang out? Chains, inventions, power, black out the past. Forget the quiet cities. Bring in the steam and steel, the iron men, the giants. Open the throttle, all aboard, the promised land. Pillars of smoke by day, pillars of fire by night, pillars of progress. Machines to make machines, production to expand production. There's wood and wheat and kitchen sinks and calico, all ready-made in tons and carload lots, enough for tens, thousands, millions, millions, faster and faster, better and better. There's a film by Lewis Mumford, 1939, The City. This is one of the invisible smokestacks of the post-industrial city. It's a project called Nuage Vert, which was installed in Helsinki. So a green laser traces a shape around the plume coming from a power station. And the less energy people use, the larger the green plume is. And the more energy they use, the smaller it is. So this is an example of instant positive feedback loop in the city, where people can start to change the way that they're consuming energy, change the way they're conducting things in the city, because they see an immediate effect in the city to their actions. This is a project called EcoHalo, which measures pollution in the city. The proposal is to have these sort of sculptural halos installed in various sites around the world. Again, this provides an instant feedback to pollution levels. If it's green, things are okay. If it's blue, it's not so good. And if it's red, it's critical. This is a project about happiness. So this project is called Public Face, done by a guy called Julius von Bismarck, and it was installed in Berlin. And this neon emoticon, it would change its expression based on an average sampling of photographs of citizens in the neighborhood. So each hour, it would show a kind of average emotion for the neighborhood that everybody could see. I'm going to talk about bottom-up urbanism. So personal digital technology and social networks are encouraging collaborative and bottom-up urbanism. Crowdsourcing is something that's pretty big and is starting to happen in design. This is the Rally Fighter by a company called Local Motors, which is the world's first community-designed vehicle. And the design was crowdsourced and uses off-the-shelf components. And final assembly will be done by the customers themselves and local assembly plants as part of a build experience. And if this kind of thing can happen with cars, it can probably happen with buildings.
Does anyone know the Lowline project? Okay. So I think most people have heard of Kickstarter, which is usually used for products and software. And this was one example of crowdfunding for an architectural project. And the Lowline project was a proposal to convert a underground trolley park in Manhattan into a underground green oasis using some new technology which will allow daylight to go underground. And this is unusual for architecture because what they're doing is they're taking a kind of startup mentality, the kind of startup mentality of like, let's fund a prototype, let's get a minimal viable product, and then show it to some people who might be interested in investing more money in it and see if we can get it off the ground. So they raised $100,000, which is, you know, quite a lot of money, but for kind of civic infrastructure project, it's probably nothing. And they're building a small installation of what a small section of this project might be like in real life, so that Manhattan and Manhattan Transit Authority can discuss if this is a concept they want to take further. And there's a lot of crowdsourcing and crowdfunding programs on the internet which are emerging for urban change on a local level. There's things like Brickstarter, Neighborly, Neighborland, and you know, these things are nice. You know, it's mostly like people saying, you know, I'd like an urban farm, or I'd like more bike lanes and things like that. And on quite a small level, they work pretty well. You know, there's maybe some of them, they might raise $2,000 to have a dog park. But you know, can this kind of thing, like crowdsourcing and crowdfunding, can this scale to a city level? Can you crowdsource and crowdfund a new civic transport infrastructure? The opposite from the bottom-up urbanism is the visions of top-down urbanism, of control. I'm sure a lot of people here have seen a lot of the adverts at IBM, Cisco, General Electric, Philips, Siemens, whatever, you know, their visions of the smarter planet where there's a single piece of software running everything. And, you know, these visions are often visions of efficiency and control. This picture is of the new operations center in the city of Rio, which is designed by IBM. And all the screens in the background here are rendering Rio in real time. So this is showing streams from subway stations, intersections, weather program, car accidents, power failures, anything else that's happening. And efficient cities are very nice. It's very reassuring to know that you can get the work on time. But since when did efficiency become the sole reason for cities? Like, what is the reason for Paris? What is the reason for London? What is the reason for Montreal? Another more gentle vision, I feel, I don't know, maybe I just say that because I've met these guys and they're designers and they're nice. But this is Urbeotica, and there are a bunch of designers and technologists in Barcelona. And they have a proposal for an urban operating system, which consists of a number of sensors, which they will put through the city. Like here, they're showing a garbage sensor, which goes into the bins. And you know, appropriately, it's shaped like a mushroom, and it's informs the city when the bins are full and they need to be emptied. And there's another one for informing if plants need to be watered or if parking spaces are free. But in the middle between the ideas of, you know, top-down control and bottom-up urbanism, perhaps we can explore how technology can be applied in a more designful way. Instead of just about control and efficiency, how do we change the
experience of the city for the citizens who live here. This is a project that proposes a reclamation of public space for local neighborhoods by allowing local residents to post announcements and advertising. Oh, sorry. Bonsoir. Donc, mon nom est Émilie Retailleau. My name is Émilie Retailleau. So, je travaille ici au CCA et maintenant, je ne vais pas rester très longtemps, ne vous inquiétez pas. C'est plus pour vous parler du calendrier, de la charrette et puis pour répondre à vos questions si vous en avez à propos de la soumission, de liens, de la remise des prix, etc. Donc, juste pour vous rappeler les dates, vous avez donc jusqu'à dimanche minuit pour soumettre vos projets. Votre soumission se fait en ligne. Normalement, vous avez tous reçu un lien vers un formulaire qui vous permet de mettre vos documents en ligne. Si vous n'avez pas reçu ça, contactez-moi ou contactez vos professeurs référents dans les universités. Donc, n'hésitez pas. I will do it in English also. So you have until Sunday midnight to submit your project online. So you should have received the link to the online form by email. If not, contact your liaison professor. Ensuite, à partir du 19 février, tous les projets seront mis en ligne anonymement et ensuite sera ouvert le vote du public. Donc invitez tous vos amis, votez vous-même en public. Ce sera ouvert de mardi la semaine prochaine jusqu'au 22 février. So we have also this year the online voting for the project, your favorite project. So don't hesitate to vote online. You have until the 22nd of February to do it. So after that, we will have the prize ceremony, the award ceremony at McGill University on the 25th of February. So, so
So please come join us, and you will see all of the projects also. And donc tous les projets, la remise des prix, pardon, des projets se fera le 25 février, donc à l'université McGill. Le jury se réunira dans la semaine, donc du 25, le lundi même. Donc les membres du jury cette année, les membres du jury cette année sont président du jury, ce sera Monsieur Mark Linder, qui est le maître de conférence à la Syracuse University. Neil Clavin, que vous venez juste d'entendre, sera aussi membre du jury. François Dallegret, donc, que vous connaissez sans doute tous déjà, qui est basé, designer basé à Montréal. Et ensuite Stéphane Kowal, que peut-être certains d'entre vous connaissent aussi déjà, qui est doctorant en histoire de l'architecture à l'Université de Montréal et qui enseigne aussi à l'Université de Montréal, qui est là ce soir aussi. Ainsi que Monsieur Dallegret. So the member of the jury this year are Mark Linder, who is the president of the jury. He teaches at the Syracuse University. Neil Clavin, you just heard his presentation. François Dallegret, who is designer based in Montreal, and Stéphane Kowal, PhD candidate in architecture history at the Université de Montréal. Voilà. Pour les prix cette année, donc il y aura un prix du public, bien évidemment, plus deux prix qui seront remis aux deux meilleurs projets. Voilà. Donc je vous souhaite à tous bonne chance.